Belle affiche entre l'AS Saint-Etienne 7e et le Paris Saint-Germain 2e. Un PSG qui court encore après le titre de champion, c'est mathématiquement possible. Et ça passe par une victoire au stade Geoffroy Guichard. Le PSG qui a remporté 9 de ses 10 derniers matchs et qui a connu une défaite à Nice, peut-être celle de trop. Moment particulier pour Christophe Galtier, l'entraîneur de Saint-Etienne, qui vit sa dernière à domicile. Il quittera le banc de Saint-Etienne à l'issue de la saison. Une victoire seulement sur les 5 derniers matchs pour Saint-Etienne. Les Verts, eux aussi, ont besoin de mieux finir cette saison, mais ça débute très mal, car le PSG marque rapidement. Deuxième minute, Edinson Cavani marque son 34e but de la saison. Il arrive à devancer le capitaine de Saint-Etienne, Loïc Perrin. Le PSG est très inspiré, Verratti peut lancer Lucas, la défense de Saint-Etienne est en retard et le Brésilien va au bout de son action. 2-0 à la 38e minute et 11e but de la saison pour Lucas. 2-0, c'est le score à la pause en faveur du Paris Saint-Germain, une équipe parisienne très sérieuse. Saint-Etienne ne parvient pas à se procurer d'occasion nette. Les supporters mettent pourtant beaucoup d'ambiance, ils ont envie de voir mieux en seconde période. Et l'entraîneur des Verts aussi. Mais le PSG continue à bien jouer sans Thiago Motta et Di Maria suspendus. Rabiot peut servir Matuidi. Le centre de Matuidi pour Cavani qui réussit à marquer son deuxième but du match. 72e minute, 3-0 pour le PSG. 35e but de la saison pour le meilleur buteur du championnat. Draxler récupère cette balle et l'Allemand peut frapper directement sur Ruffier. Ballon repoussé sur Lucas. 78e minute, 4-0. Et après le doublé de Cavani, voici celui de Lucas pour son 12e but de la saison. C'est une démonstration du PSG. Saint-Etienne est impuissant. Et des Parisiens qui n'en ont pas encore terminé. 90e minute. Draxler qui a buté plusieurs fois sur Ruffier réussit à inscrire son 4e but de la saison. Le PSG s'impose très nettement à Geoffroy Guichard. Une victoire 5-0. Saint-Etienne devient 8e. Le PSG conservera sa 2e place jusqu'à la fin de la saison. Saint-Etienne subit sa pire défaite à domicile depuis 22 ans.